Écoute, ô toi qui brûles d'égorger l'agneau de Dieu, jamais tu n'atteindras son Éden. Ô petit, réveille-toi, allez. Toi alors, j'ai bien cru que cette torpille t'avait définitivement envoyé à Patres. Je suis dans le parc Dionysos. Le train est dans un sale état, il fuit de partout. Toute la zone est inondée et bouclée. Tu n'es pas loin de l'allée des sirènes. Il y a une station de pompage là-bas, qui devrait te permettre d'évacuer l'eau du parc. Comme ça, tu pourras y entrer. Dirige-toi vers la station de pompage, vite! Hey, bien le bonjour les amis, ici c'est Barrybal40 qui vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de BioShock 2 remasterisé. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et j'ai hâte de passer cette prochaine 30 minutes avec vous pour un nouvel épisode. Bon, la dernière fois, j'ai dû aller chercher une clé, j'avais fait deux petites sœurs. Bon, cette fois-ci, on a trois petites sœurs à faire. Donc je propose que dans cet épisode, on va faire les trois petites sœurs. Pardon. Vous êtes prévenus. Ça va être un épisode petite sœur et puis on va avancer dans l'histoire en même temps. Mais il y aura plus de petites sœurs que d'histoire. Et dans le prochain épisode, ça doit être sûrement full histoire comme la dernière fois. Le père Wells a eu beau te séparer du train, tu t'accroches à l'existence. Je suis impressionné. Ah, je m'en doutais. Mais aujourd'hui, Delta, tu vas croiser le chemin d'un homme qui ne craint pas la mort. Un homme qui, pour sauver Eleanor, se jetterait dans les flammes avec le sourire des bienheureux. Ah, un peu d'Adam, c'est cool ça. Si vous voyez quelque chose par terre, surtout vous me le dites, hein. Ne me laissez pas comme ça. C'est sûr, j'ai rien oublié. Bon, bégo. Allez, en route. En route, on va au sec. Oh, ils se sont fait défoncer. Lui va avoir mal, lui. Allez, entre nous maintenant. Oh, papa, on se calme. Il faut lui donner une fessée. Là. Qui a pris la fessée? Oh, hop, je vais crever, moi. Voilà, ma petite sœur. Voilà. Merci, petite sœur. Sans déconner, quoi. Vous me prenez pour qui? Non, mais oh. Bon, on va s'acheter un peu de vie, hein, déjà. Pour commencer... Qu'est-ce qu'il veut? Faut que je me plante. Mais wow, mais ils font mal ces salons là! Là! Meurs, meurs, meurs! Putain, il m'a eu par surprise, cet enfoiré là! D'autres volontaires? Non, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai tiré avec des rivets quoi et j'en ai eu. Bon, mais c'est pas grave. Déjà, j'ai eu une vie. Voilà. On va pirater ça. Je sais pas trop ce que ça m'a donné, mais bon. Oh, c'est coincé dessous, là. Ben voilà, déjà, on va prendre ça. Voilà. Bon. Oh, regardez. Merci! Et 9$ pour me remettre la vie 9. Oh, bah c'est bon ça! Ça c'est bon, on va pas se plaindre. Le démon de Ryan est en vie! J'en appelle à toute la famille! Mais c'est quoi ça? Je lui ai tiré dessus, j'ai rien fait. Jésus! Excuse-moi, hein.
Ça, je l'ai pas. Et on va se rajouter un petit emplacement. Allez, des familles. Il me reste 50. Ah, ben, t'es amélioration d'Ève. Allez, hop, on se prend une amélioration d'Ève. Marie-Joseph, je crois que c'était le père Simon Wales en personne. Lui et son frère Daniel étaient les architectes en chef de Rapture. Eh, c'était quand mon Sophia petit Lamb comment, est ça monté sur le trône, Simon s'est fait curer. Il a une sorte de d'église à lui, près de la station de pompage. Attention, tu peux t'attendre à un comité d'accueil hargneux là-bas. D'accord, d'accord, bon. Il est là. Alors, on dit go ? Qui s'occupe des anges qui dorment ? C'est moi. Alors, qui a de la dent dans sa poche ? Putain, ça, c'est un putain d'endroit. Donne-la-moi. N'ose pas m'affronter, hein ? Viens par ici ! Tu peux te planquer où tu veux. Toi, viens. Et on te trouvera. Meurs. Tu es à moi, maintenant. Cette fille est plus forte que toi. T'as pas le droit de m'ignorer comme ça. Monsieur P est en colère et tu vas le regretter. Là. Tu fuis. Cette fille est plus forte que toi. La coulisse. Et malin. Vite, la coulisse. Ouais, malin. Je suis très sage, monsieur P. Laisse-la tranquille. Tu crois vraiment que je vais te laisser la toucher ou quoi? Allez, y'en a, c'est moi, petite sœur. Guti, Guti. Faut t'aimer tout fini, toi, parce que là, y'a du monde, quand même. Allez, ah là, bois, ma fille. Oh, c'est quoi, c'est nouveau, ça? Ah, ces gros hommes sont revenus, quoi. Il est le meilleur de tous les Monsieur P. Ah, c'est gentil, petite fille. Bon, 55. Bon, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. On les a défoncés. Bon, j'ai plus beaucoup de munitions, j'avoue. On va... Bon, on va en... On cherchait. Non, je pense pas à ce point-là. Ah là, c'est bon ça. Oh, il y en a un autre. De la dent, monsieur P, ici. Bon, on va prendre. Allez, B. Les anges qui dorment, ils brillent. La dent brille. Oh, l'ange est tout seul. Allez, commence, récolte ton petit truc. Je compte bien gagner mon billet. Je... Là! Je suis là, ma fille! Attention! Si tu continues, monsieur P va te donner une bonne leçon! Crève-lui les yeux! Crève-lui les yeux! Non, non, c'est à moi, c'est encore! Qu'est-ce que j'essaie de cacher la dent! Pourquoi elle viendrait te voir? Tu me le dis? Bon, ça va, la première petite sœur, ça s'est bien passé, hein. On a vite trouvé les corps, hein, et Je suis un salaud. Bon. Allez, on va sauver la petite sœur. Ça me fait plaisir. Merci. Tu n'es pas seul, papa. Les filles que tu as sauvées sont avec toi. Elles ont laissé quelque chose pour toi au jardin des glaneuses. Oh, là aussi. Oh, bah c'est énorme.
là aussi, elle nous donne des cadeaux, quoi, quand on les sauve. Je pensais pas, tu vois, vu qu'il n'y avait pas ton Number. Avant, c'était Number qui me les donnait, tu vois. Là, je t'avoue que j'étais pas sûr, quoi. Ah, mais c'est cool, c'est bien. Tiens, je l'entends râler, lui, le pauvre gars, là. C'est quoi, ça? Quand vous équipez en sécurité, prenez... Ouais, bah non. Hein? Laisse tomber, putain! Viens me choper! Oh, encore une petite sœur! On va pas dire non! Que du bonheur! Bon, bah c'est pas mal! Bon, allons près du... Oh, c'est mignon! Bienveillance. Bien heureux d'être parent. Bon, j'avoue, je vais le stocker, ça. Légèrement plus d'Adam. Attends, ça le fait pas mal, ça. Voilà. Et 81 d'Adam. Oh, c'est pas mal, ça. Amélioration dev. Non, de lèvres, j'en ai assez, sans déconner. Je préférerais mieux la vie. Bah, je vais prendre, tu vois, le... Allez, je vais m'ouvrir. Voilà. Je vais me prendre l'arc électrique 2. Bon, allez, je vais m'ouvrir plus de choses. Voilà, je pense que ça suffira. Ouh, s'il y en a un autre. 4. Ouh, j'en ai plus beaucoup. Monsieur P, vous êtes où? T'emmerdes, moi! Ouais, ouais, je suis un méchant, oui. Là, voilà! Viens à moi, petite fille. Bon, mais voilà, la seconde, elle est là. Bon, je t'avoue que je suis assez content. Ces balles, des balles perforantes, il faut que j'en achète d'autres. Ah, pour les protecteurs, c'est énorme. T'as vu comme je les défonce? Ah, c'est énorme! T'as des balles perforantes là, toi? Non, y a pas de balles perforantes. Bon, pour 9$, on va pas se plaindre. Pour 9$, on va pas se plaindre. Ah, mais voilà, tiens, on va le bépirater. Bon, on va prendre. Ça, c'est cool. Ah, oh, il a pas de balles perforantes. Ah, je me sens floué. Ah, hop, par contre, je vais prendre de ça. J'ai assez de... Allez. On va suivre la flèche. À moins que vous ayez vu un autre... Je crois qu'on n'a pas regardé là-dedans, là. On peut rentrer, là, vous croyez? J'ai craché ma pièce, enfoiré. Joue cette foutue chanson, sale des jukebox de merde. Ah, ta gueule. On sait jamais, hein, s'il y a... C'est moi ou ils prennent moins cher quand même avec mon truc, là? À croire qu'ils se sont fait, tu sais, un blouson, là, John Wick. Oh! Comment je peux aller là? Ah, il y a un trou, là. C'est par en haut que je dois aller.
Oh putain, 3. Non, c'est 2. C'est ça? Voilà. Hop là. Elle. Le taux de perte de petite sœur est devenu inacceptable depuis que les protecteurs cèdent sous les griffes de ces hyènes dépendantes. En conséquence, nous avons lancé la production d'un nouveau type de protecteur baptisé le nettoyeur. Pour disperser les chromosomes, il dispose de munitions hautement explosives et de tourelles miniatures se chargeant d'éliminer les traînards. Nos tests ont montré que le nettoyeur, malgré les dégâts matériels collatéraux qu'il occasionnait, était extrêmement efficace. Tu m'étonnes. Oui, dans la course à l'armement qui agite Rapture, les chromosomes ne sont pas les seuls à évoluer. Allez, hop là. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer là? Testa, l'énergie cinétique du fusil à pompe, non ça on s'en fout. Mécanisme interne chauffe à blanc, dérivé, avant de tirer. Les tirs sur la cible vivante peuvent provoquer des combustions. J'avoue que ça c'est pas mal ça. Ça aussi c'est pas mal. J'ai pu se prendre ça, ouais. Parce que je suis le meilleur. C'est moi le caïd. Non, c'est pas négociable. Donne-la-moi. Là. T'as raison, c'était pas négociable. Non mais non. Connerie, je suis plus malin que toi. Je vais être son nouveau papa. Tu vas être que dalle. Oh. Ah mais non, j'en ai 5, c'est pas la peine. Ah mince, tu vois, j'ai... Voilà. Là, je suis à fond. Bon, je vais monter pour voir s'il y a... Parce que là, j'ai juste monté pour descendre, pour améliorer mon... J'ai à dire que t'as une sale gueule. Hé, je t'ai vu, saloperie de tricheur. Qu'est-ce que t'as dit? Ça va te démonter, saloperie. Saloperie de machine! Je crois qu'elle va me tirer dessus si j'y vais. On va voir. Changer de stratégie. Au moins elle me tire pas dessus. Mais bon, il n'y a pas de corps ici, quoi. Bon. Hé, le barman, il y a un bon payeur à servir ici. Donc, ça sert à rien que je vienne ici. Allez, on s'en va. Qu'est-ce que c'est? Faut passer à la vitesse. Ah là. Tu vois la lumière dans son bidon? Où ça? C'est parfois le rose renverse tout. Ah mais j'ai acheté un truc, je sais même pas ce que j'ai acheté. Ah, ça va trop vite parfois. Tu vois, il y a de la dent.
Monsieur P. Là. Je crois que maman est au courant. Elle sait. Tiens, j'ai cru que je manquais de vie, quoi, sans déconner. Accélère le traitement, on n'abandonne pas, papa. Mais quel traitement? T'as autant une grande sœur ou quoi? Ah merde, j'ai pas vu ça. Il me tue. Ah mon bon vieux. Mince. Ça me fait perdre mon temps. Quoi? Ah merde, j'en ai plus. Purée, je perds de la vie pour rien. Bah les pattes. C'est à moi. Voilà. Putain, j'ai plus rien. Ah putain. Je me suis cassé les dents dans mes bras. Ah, j'ai plus rien là. Apparemment, le père Wales est friand de codes en tout genre. Il y a quelque temps, la seule façon d'obtenir une audience auprès du Dr. Lamb était de supplier Simon Wales. Le bon numéro doit traîner quelque part. Tâche de trouver une piste. Oh! Quel nul je fais, sans déconner, quoi! Daniel, ensemble, nous avons dessiné Rapture. Wells and Wells, architecte. Tu t'en souviens? Putain, ils m'ont défoncé, quoi. Mais Andrew Ryan nous a pervertis, mon frère. Il nous a détournés du Tout-Puissant. Le Dr. Lamb, elle, nous offre le salut. Tout ce que je te demande, Daniel, c'est un signe de ta foi, un signe infime. Bon, voilà, à présent à la perle rose dans ton bureau. Le code y est inscrit. Bientôt, Daniel, nous prierons pour ton âme égarée. Ouais, nous prierons, ouais. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, équipé, ouais. Ah, c'est pas mal. Mais il me retire à chaque fois mon truc, tu vois. Bon, allons-y. Qui est là? Oh. Eh ben non. Lutte et baraque. C'est quoi ça? Prends-toi ça. Je garde la main. À couvert, vite. Oh merde. Eh. Là, ça me gave. Ah, là, ça me gave. Là, je vous le dis. Mourir comme ça, eh, c'est bon. Hein. C'est pas comme si... Mourir comme ça, bêtement, là, ça va, quoi, hein. Deux secondes, hein. Eh, ils font que me changer mes touches, en plus, ça casse couille, quoi. Dois la vie, étranger. Allez, on est reparti. Pour ce qu'elle vaut, je t'envoie une trousse de soins par pneumatique. Si tu pouvais rester discret et ne pas en parler au Dr. Lamb. Putain, je me suis fait tif. On n'a pas encore terminé. Au fait, j'ai pris la petite sœur, ouais. On va du public sur le plateau. Oh, ennuyeux. Ouais, je me suis pris la petite sœur. C'est louche tout ça. Je veux pas. Putain, j'ai pas beaucoup de tirs en plus là, s'il vous plaît. Alors. Le gros, je sais pas où il est, il m'a buté, il s'est barré. Ok, on a une nouvelle arme, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Salut, Matelot, ça te dirait de prendre une... La Perle Rose était l'un des immeubles les plus luxueux de Rapture.
Pendant la guerre, les résidents se sont retrouvés à ce point démunis qu'ils se sont vendus à son propriétaire. Si mes souvenirs sont bons, le bureau de Daniel est tout en haut. Allez là! B aussi, ça va mettre le truc aussi loin. Voilà. Le truc qui m'a vu, là, il s'est mis à courir. Viens chercher mon offre. Non, non, je vais pas chercher ton offrande. Allez, vas-y, fais ton job. Petite sœur, quand tu le tiens. Daniel. Vas-y, corrige-moi cette enflure. Oui, oui, je le corrigerai tout à l'heure. Je suis très simple à choper. Touche pas la fontaine. Va falloir la jouer serrée. Mais meurs. T'es gagné! Dégage! T'es pas mort, toi? Tu prendras rien du tout! Ah, c'est le moment de tomber à rade! Là, dégage. Sans déconner, j'ai plus rien. C'est toi? Ça veut dire qu'on est heureux ensemble? Bon, on n'a jamais pu, bah... Ah, elle m'a pas donné de la... C'est pas gentil, ça, petite fille. C'est mon frère qui t'envoie, hein? Toi, un putain de larbin métallique. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Il a deux têtes. Vas-y, attends-moi. J'ai un peu bu, j'avoue. Tout ça, ça me monte un peu au nez. Ça me monte un petit peu au nez. Hey, merde. Me voilà encore bourré comme un coin. Ça me rend sentimental à chaque fois. À la grande époque, Simon et moi, on concevait des cathédrales. Un boulot à quatre mains. J'ai toujours été la brebis galeuse, moi. J'ai jamais cru un traître mot de ces conneries de pontieuserie. Et puis un jour, Ryan annonce qu'il veut Wales and Wales pour bâtir Rapture. Une cathédrale sans bon, dieu, érigée par l'homme à sa seule gloire. Aujourd'hui, je suis Macron. C'est bien ça, ils ont mis un... sauveur d'âme. Le père Wales. Wow. Comment un cul béni pareil peut-il être mon frère? On se calme. Pourquoi t'as tiré dessus? T'es nul, toi. C'est quoi ça? Piratage génétique. Ah ouais, ça je veux bien, tu vois. Voilà. Oh, parce qu'il faut dire père Daniel Wells. Ah non, pas du tout. Dis bonjour aux colombes, crétin. Allez, oh, reviens. Commencer.
Voilà, fais ton taf. Moi, je veux juste un autre perso, hein. Migraine qui a rien. Bon, mais c'est pas grave, hein. On va faire ça, et puis tant pis. Allez, on va suivre l'histoire. J'ai une petite fille sur le dos. Et vous trouvez ça drôle, monsieur ? Me fixe pas avec tous tes yeux ! Allez, montre-moi ce que t'as dans le bide. Voilà, je te prends toi. Oh oui, ça je t'ai pris. Voilà, j'ai plus de sous. Alors... C'est par ici. Elle va me faire descendre ou quoi? Ah mais d'accord, mais j'en ai pas du tout là en fait. On va mettre les choses au clair, en fait j'en ai pas du tout. Voilà. Donc je suis puni à me balader avec une petite sœur sur le dos pour ces âmes éternelles. Allez hop là. Et pas croyable, Simon. Bien sûr, il y a des fuites à Rapture. Et puis après, se tordre les mains et pleurnicher, ça va pas changer grand-chose, à part augmenter le niveau de l'eau. Rien ne dit que le défaut vienne de notre plan. Mais Simon file ses lampes tout penaud, se lamentant parce qu'on ramasse plus aucun contrat et que de toute façon, il a toujours voulu entrer dans les ordres. Et maintenant, c'est le père Wells. Si je croise cette Sophia Lamb dans la rue, je vais lui coller une mornif qu'elle est pas près d'oublier. Saloperie de migraine qui en vient. Bah attends, il me dit que c'est là que je dois aller, mais... Oh, tu t'es fait. Tu vas me faire mal. Hop là, on se calme. Je me suis chopé une migraine de tous les diables. Putain, il a défoncé le robot, quoi. Alors je suis monté dans mon bureau pour m'envoyer un codet. Un cadeau de mon frère Simon m'attendait. Une bouteille de vin de messe, dont le millésime est le code d'accès à son territoire. 1919. Je vais me l'enfiler, tiens, la boutanche. Et puis je vais te la remplir juste après, on verra la gueule qu'il fera. Donc, un millésime... Tu peux te pousser, s'il te plaît ? La foi, Delta. Elle vit en nous, au-delà de nous. Daniel Wells ne l'avait pas. Le père Simon Wells, lui, l'avait. Le dévot accueille la mort sans la craindre. Ce ne fut pas ton cas. Nous autres, nous sommes des martyrs. Attends un peu. Et meurs surtout, hein, sans déconner, quoi. Oh, respecte ma putain d'autorité. Allez, patte. Je vais faire le guet, bordel. Et on se retrouve avec un géant de métallomie. Ah, dans ta gueule. Ah, tu fais mal, hein. Tu vas où, là? Il croyait que le mec, j'allais le laisser aller faire un pépère, tu sais, sa petite vie. On déconne, quoi.
La station de pompage est de l'autre côté de cette jonction, petit. Fais attention à toi, tu vas entrer sur le territoire du père Wales et de sa cohorte d'illuminés. D'accord, d'accord. F-code. De toute façon, j'ai une petite fille encore à aller chercher. Mais voilà. Père Simon Wells, vous m'entendez? J'ai piégé la bête sur votre seuil. Simon, Daniel a été assassiné. L'entendez-vous? Hurlant, réclamant la vengeance. Non, j'entends pas, moi. Ils ont coupé le courant. T'es coincé ici jusqu'à ce que les générateurs prennent le relais. Je t'envoie quelque chose par tube pneumatique. Ça devrait t'aider. D'accord, merci beaucoup. N'oublie pas, démon. Le corps de Daniel est peut-être déjà froid, mais son âme demeure parmi les fidèles de l'Agnus Dei. Tu brûleras bientôt dans les flammes de l'enfer, et ce sera un frère éploré qui t'y aura envoyé. L'armée de tes péchés est en marche pour te juger, démon. Et ils sont légions. Ils sont légions, oui, c'est ça. Je te vois pas, moi. Mais la fille sacrée, elle te voit. Super. Allez, vous êtes tous les gars. Si là on va réussir, viens par ici. On commence à dormir. Eleanor Lamb est notre salut, démon. Tu ne nous priveras pas de notre ultime récompense. Non, je te prive rien. Attends un peu, tu vas voir. Mais je demande à voir que ça, moi. Personne t'a prévenu? Par ici, tu attends ma barca. Attends un peu. Ah purée, je trouve pas mon putain de truc électrique. D'accord, bon ben j'ai que dalle quoi. Là. Bon boulot, petit. Je sais pas si tu dis bon boulot, mais je me suis fait défoncer, quoi. De Simon. Plus qu'à descendre dans la station de pompage numéro 5 et à vider le parc de sa flotte. Ça commence à manquer d'oxygène dans ce taco. Et s'il est une chose qui me désolerait, c'est que notre partenariat prenne fin ici. Pas autour pour toi, hein. Wouh. Voilà, j'ai plus rien. Bon, ben les amis. Surtout ne vous inquiétez pas, ce que j'ai coupé, c'était que
de la route parce que je cherchais tout simplement de la décor pour la petite sœur et j'en ai pas trouvé. Je suis très content déjà que vous ayez regardé cet épisode jusqu'à la fin. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que vous appréciez et le contenu déjà de base. Et je vous dis à tous et à toutes au revoir. Moi je vais hiberner et faire un gros dodo parce que là je suis fatigué. Non, je plaisante. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye les oursons. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir, c'est-à-dire que ça t'a intéressé et que mon travail te satisfait. Finalement, je ne sais pas quoi dire, à part merci. Alors, je peux dire aussi abonne-toi, hein, c'est accessoire. Et puis aussi mettre un pouce bleu, hein. Ça prend pas de temps, pas d'argent. Juste un petit clic. Allez, sur ce, je vais hiberner, je te laisse. Bye bye.